Bien sûr, c'est un grand honneur, je m'y attendais pas. C'est un vrai plaisir, c'est le résultat de mes efforts. Maintenant, c'est à moi de continuer à faire le boulot sur le terrain et aider mes coéquipiers à remporter les victoires. C'est le plus important. Bien sûr, déjà, il y a une grosse remise en question de ma part, soit par rapport à mes performances de la saison, par rapport à ce que je peux apporter à l'équipe, où je sens que je peux encore beaucoup mieux faire pour aider mes coéquipiers, et même pour moi, ce point de vue individuel. Et une grosse prise de conscience, et surtout une réaction que je vais faire par rapport à ça. Je pense que c'est quelque chose de naturel, parce qu'il y a encore... Jusqu'à 2016, donc mes premières années pro, je joue encore que poste 4. Et donc c'est vraiment depuis mon retour des États-Unis que je suis passé à l'intérieur, vraiment. Naturellement, j'ai une tendance à être un peu fuyard, à jouer un petit peu à distance et beaucoup en mobilité. Et c'est quelque chose qui était forcément, il faut que j'utilise toujours aujourd'hui. Et donc que j'essaie d'utiliser pour mon basket et ça fonctionne, donc tant mieux. Alors, je parle pas beaucoup à mes coéquipiers en vrai, mais je préfère montrer, c'est-à-dire avoir l'attitude, montrer par mes gestes, par ce que je fais sur le terrain. Je sais que j'ai un gros impact sur le terrain par rapport à mes coéquipiers. Si je monte en pression, si je monte en intensité, je sais que mes coéquipiers vont me suivre. Et c'est ce côté-là que je vais avoir en tant que leader pour mon équipe. Pas un leader vocal, mais un leader de terrain. Je suis pris, non, parce que dès la pré-saison, j'ai senti le potentiel de mes coéquipiers, de ce qu'on peut faire, de ce que le coach a mis en place, de l'organisation. Et je pense qu'on est sous-côté, on est un peu l'adversaire sous-estimé du championnat. Et on a beaucoup de qualités athlétiques, beaucoup de qualités individuelles dans notre équipe. Et c'est sur ce plan-là qu'on arrive à dominer nos matchs. Donc maintenant, on arrive à mettre ça en place. Il faut maintenant que nos erreurs, on les élimine pour être encore plus performants et montrer aux gens qu'on est capable du meilleur et pas seulement contre les meilleurs. Ça va être l'intensité, ça va être la rigueur. Il va falloir se battre et tout le monde sera fatigué. Et ce sera aux joueurs, aux équipes qui vont donner 2 mètres de plus, une pression de plus qui va faire la différence. Ce seront des matchs à peu de possession, peu de points de différence. Et chaque erreur va compter. Et donc, c'est à nous de faire le moins d'erreurs possible sur les prochains matchs qui suivent. Non, nous sommes pros. Donc Blois n'est pas oublié, mais on doit apprendre cette défaite. Et maintenant, se concentrer sur le Mans. Merci. Se concentrer sur l'équipe du Mans. C'est Ron, voilà. Se concentrer sur l'équipe du Mans. Et maintenant, on a une revanche à prendre par rapport à eux. Donc les choses sérieuses sont à prendre.